passé, le jury du prix Guilmer a décerné son prix pour 1968 à Henri Delaunay, pilote de ligne. Oui, j'en prie, madame. C'est un très grand honneur que vous me faites en me remettant pour mon mari ce soir le prix de la littérature aéronautique 1968. J'imagine avec beaucoup d'émotion la joie qu'il aurait s'il était parmi nous en cette belle consécration. Je remercie tous les membres du jury du prix Guilmer. J'ai tourné la première page et 4 heures après, je m'arrachais difficilement au point final. Des livres comme celui-là, il y en a un tous les 10 ans. Le matin même de sa mort, il terminait un manuscrit qui est un livre adorable, un livre pour des enfants, l'histoire d'un petit garçon, Topi, qui se passe sur une île déserte. Quel est donc cet homme qui, à titre posthume, il est mort il y a 3 ans, a reçu le mois dernier le prix le plus envié de la littérature aéronautique? Il s'appelait Henri Delaunay. C'était un homme discret, et ses compagnons vont faire ce qu'ils détestaient, parler de lui. Le colonel Edmond Petit, le commandant d'Abri, M. McCain, le radio de Mermoz, le patron de l'aéropostale, M. Didier Dora, et un camarade de guerre, le général Oketis. Delaunay a joué aussi bien dans le vol de nuit que dans le vol de jour, que dans la préparation de l'Atlantique Sud, qui lui avait été un moment confié, un rôle considérable, un rôle qui lui donne droit à la reconnaissance de tous ceux qui vivent aujourd'hui de l'aviation commerciale. Dans l'aviation, dans la guerre ou dans la résistance, lui ne parlait jamais de ce qu'il avait fait. Aucun camarade ne peut dire que Delaunay lui a raconté ce qu'il avait fait, par exemple, avec le général Oktis quand il était dans les groupes lourds anglais. Il n'en a jamais parlé. Et je crois qu'il avait vraiment un sixième sens, car je l'ai vu une fois, nous étions partis d'Écosse, c'était à l'entraînement, il faisait un temps vraiment très très mauvais, et nous sommes retrouvés au bout de 10 heures de vol, au-dessus de la mer d'Irlande, avec un trou sur la mer. Et regardant les vagues, de l'altitude de 6000 pieds, il a dit, nous sommes à droite de la route. Ce qui était vrai. Son brevet de pilote, il l'a passé à 19 ans sur le SPAD 7, qui était l'avion Guilmer. C'était en 1923. La passion d'Henri Delaunay prenait forme. Son rêve, voler toujours plus loin et plus longtemps. Bientôt, il entre à l'aéropostale, embryon de ce qui deviendra plus tard la compagnie aérienne moderne. Mais les pilotes d'aujourd'hui n'ont pas oublié. Monsieur Jean Lasserre, vous êtes pilote de ligne sur Boeing 707 à la compagnie Air France et vous avez fait vos premières armes sur des appareils de l'époque héroïque il y a de cela un quart de siècle. Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, au cours de vos vols, d'évoquer la mémoire et le souvenir de ces anciens? Bien, c'est peut-être un lieu commun de le dire, mais je dois dire que la mémoire de nos camarades anciens est constamment présente à notre esprit, notamment quand nous survolons des lieux comme Cap Juby, Villa Cisneros, Casablanca, qui ont été survolés par nos camarades il y a 40 ans. Et il n'y a pas de doute que nous avons toujours une petite pensée amicale et affectueuse pour eux, car bien sûr, maintenant, nous survolons ces lieux à 12 000 mètres d'altitude dans un confort qu'ils nous envieraient. Mais il n'y a pas de doute que nous ne pouvons pas nous détacher de la pensée de nos amis. Et on peut dire que l'aviation commerciale française a pu repartir, comme elle est repartie après le deuxième conflit mondial, grâce à l'immense héritage qu'il nous avait légué. À l'époque, l'avion dispose d'une puissance réduite. Sa vitesse est limitée comme son plafond. À quoi cela servirait-il d'ailleurs, puisque le vol s'effectue à vue, les villes, les fleuves, les voies de chemin de fer, constituant les meilleurs points de repère? La ligne est partie de Toulouse vers le sud. Barcelone, Alicante, le Maroc, la Mauritanie, Dakar enfin, d'où le courrier fera la traversée à bord d'un aviso. Tous les appareils, Delaunay les a pilotés. Delaunay a fini aux commandes du Boeing 707.
J'ajouterai, comme nous compte Henri Delaunay dans son livre, l'aviation d'aujourd'hui nous fait l'effet d'une vieille guerrière que nous aurions connue fille de joie. Une fille de joie qui n'avait pas toujours la vie facile. Car de l'autre côté de l'Atlantique, la ligne continue de Natal à Rio et Buenos Aires. Il faut réussir, car un jour viendra où le courrier d'Europe fera le trajet intégralement par la voie des airs. La côte est de l'Amérique du Sud, cela ne suffit pas. Il faut aussi rallier régulièrement la côte ouest, Santiago du Chili. La cordillère sera franchie au prix de 1000 difficultés, avec des appareils dont le plafond ne dépasse guère l'altitude des rares cols de cette effrayante muraille. Delaunay a vécu cette vie ardente. Exceptionnellement, il avait une fois raconté ses souvenirs. C'est le seul témoignage qu'on possède de lui. J'étais un petit peu... Mon amour-propre était un petit peu à vif. Regarde, ce sacré Mermoz, lui, il était à Buenos Aires quand j'étais à Rio. Et c'était toujours lui qui avait vent dans le dos. Je sais pas comment il s'arrangeait. Il avait le bon Dieu avec lui. Mais c'était toujours lui qui gagnait un quart d'heure, une demi-heure sur l'horaire. Et c'était aussitôt les journaux brésiliens qui vraiment étaient extrêmement gentils pour nous. Aussitôt les journaux brésiliens clamaient notre succès. Et alors j'étais toujours un peu vexé, c'était toujours Mermoz qui avait le succès. Il faut faire entrer le courrier postal dans les habitudes. Bientôt, exceptionnellement, on prendra un ou deux passagers. Une responsabilité de plus qu'en 1928, Henri Delaunay assume jusqu'à l'extrême limite de sa résistance. Henri Delaunay avait été chargé, si mes souvenirs sont bien exacts, du premier vol de nuit de Rio de Janeiro à Buenos Aires. Et aux environs de Florianópolis, il a été victime d'une panne de moteur, d'une rupture de bielle provoquée par une mauvaise fourniture d'huile qui vous avait été faite. Et l'avion a pris feu. J'avais une bouffée de feu dans la figure et je me suis retrouvé à un moment donné en dehors de l'avion, les pieds sur le marchepied, et me cramponnant plus à l'avion que par le volant que je tirais vers moi. Et nous descendions, tout le bazar descendait en glissade, avec les passagers qui devaient se faire du mauvais sang derrière. J'étais assez impressionné, ça descendait toujours, et le sol approchait énormément. Quand je suis remonté dans l'avion, je me suis brûlé les pieds très sérieusement. Mais enfin, j'ai pu remettre l'avion d'aplomb, et puis, je dirais pas atterrir, mais enfin, le faufiler entre deux arbres, et puis alors ça a fait boum, je sais plus très bien ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé loin de l'avion. Ce qu'il y a de remarquable dans la réaction de Delaunay, qui a souffert plus d'un mois à l'hôpital ensuite pour guérir ses brûlures, qui atteignait presque le troisième degré, c'est que dès sa sortie, avec les doigts recroquevillés, il a tenu à revoler. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais 24 ans. Faire du vol de nuit, c'était faire mieux que Mermoz. Au cours d'une grande réception qui avait été donnée non seulement à notre honneur, mais à l'honneur du personnel de la compagnie aéropostale. Le nom de Delaunay a été prononcé, il y avait 200 et quelques convives. Ça a été un tonnerre d'applaudissements quand on a entendu prononcer le nom de Delaunay, car les convives se rappelaient ce qu'il avait fait à Florianópolis pour sauver ses passagers. Le dernier pointillé à travers l'Atlantique Sud, c'est l'arc-en-ciel de Mermoz qui l'effacera. De la France au Chili, la ligne est désormais ininterrompue. Ne l'oublions jamais, grâce à eux, les Français sont arrivés partout les premiers. Aux passions des foules pour les exploits, d'autres passions vont succéder. Ce sera la guerre. Henri Delaunay, à 39 ans, va reprendre du service comme pilote de bombardier. Combien as-tu fait de missions ? Il m'a dit, on avait à en faire 30. Je crois avoir fait mes 30. Et je le crois tellement que les Anglais étant un peu pointilleux, il avait d'ailleurs employé un terme un peu plus énergique, pour être sûr qu'après on ne vienne pas me chercher d'histoire, j'ai préféré en faire quelques-unes de plus. Il parle peu de cette période. Il faut le pousser pour en tirer quelques bribes de souvenirs. La plupart du temps, il répond aux questions indiscrètes par une boutade. Je suppose que tu as dû avoir peur. Il m'a dit, ben évidemment, bien sûr que j'ai eu peur. D'ailleurs, c'était impressionnant de voir la nuit, au-dessus de la rue, tomber tous ces morceaux d'avion en flammes, la DCA. Alors pour éviter de voir tout ça, eh bien, moi, je tirais les rideaux.
et suivez mon cap. Et les fusées, la DCA était tellement claire qu'on aurait pu lire son journal dans l'avion. Alors c'est pour ça que Delaunay est aussi fermé, parce que les reflets qu'il y avait sur les cadrans le gênaient pour avoir la vitesse, le cap et tout ça. Une fois pourtant, Henri Delaunay a parlé de sa guerre. Je me suis trouvé d'un seul coup pris dans une espèce de cirque où les questions de caste n'existaient plus. Il parlait comme il écrivait, simplement, directement. Il avait beaucoup d'humour. Écoutons plutôt Madame Guillaumet, la veuve d'un autre pionnier de l'aéropostale. J'ai connu Delaunay à Toulouse lorsque j'étais tout à fait jeune mariée. J'ai fait sa connaissance et nous nous sommes tout de suite très bien entendus. Mais il m'a regardé, il m'a détaillé des pieds à la tête et il a dit avec son air tranquille à mon mari qui était là, « Ah ben tu vois, hein, si tu te casses la gueule, moi j'épouserai ta femme. C'est pas pour elle, dit-il, c'est pour les 100 000 balles qu'elle va toucher. » Tel était Henri Delaunay. Les exploits de sa jeunesse avaient été oubliés, comme l'étaient ses 33 000 heures de vol. Le triomphe posthume de son livre, Araignée du soir, l'a tiré de l'oubli. Les coulisses de l'exploit aussi lui devaient cette réparation.